Jade est un one-shot du jeune auteur Ulysse Malassagne, démarrant au quart de tour lors d'une fusillade contre des Chinois en plein Tibet des années 50. Et nous suivrons donc notre super journaliste accompagné de son capitaine, et ils vont aller se fighter contre le Yeti, il y aura même des Chinois dans des grottes, et il y aura aussi des moines tibétains. Non mais ça c'est Tintin au Tibet. Ouais mais c'est trop bien Tintin au Tibet aussi. Et nous suivons Harry, un jeune Britannique raciste et violent, à la recherche de la millénaire Jade, guidé à contre-cœur par un Tibétain du nom de Pema. Mais en fait, tu parles de petit B, mais tu sautes une étape. Bah quelle étape? Bah le petit A. La BD alterne phase d'action et phase de dialogue avec une fluidité rare, le tout servi par un dessin poétique et rythmé. Tiens, goûte-moi ça, c'est un poético rythmetto. Tu as raison, il est poétique et rythmé à la fois. N'est-ce pas? Recoute un peu, tu vas sentir le picotement du rythme. Oui, je sens, ça coule de rythme là. N'est-ce pas? Poursuivi par des Chinois communistes, Harry va en apprendre beaucoup sur soi-même et sur la culture tibétaine aux côtés de Pema. Et comme le disait un grand homme, pour faire la paix avec un ennemi, tu dois travailler avec cet ennemi et cet ennemi devient votre associé. I got so many bitches around the world. Oui, bonjour, oui, moi c'est Tintin. Alors, je suis journaliste le jour et aventurier le jour aussi. Je prends des photos. Je suis accompagné d'un petit chien et d'un alcoolique. Et souvent, je frappe sur des Chinois et des Noirs. Voilà. Bon alors, moi j'ai pas de chien, mais mon nom il vient d'un chien. Parce que le chien de mon papa, il s'appelait Indiana, alors je m'appelle Indiana Jones. Je suis professeur d'archéologie le jour et le reste du temps aventurier. Alors là, c'est pas flagrant, mais regardez. Aventurier, professeur, aventurier, professeur. Alors normalement, j'ai la panoplie, hein, le chapeau, la veste et surtout, j'aime quand ça fouette. Alors pas de bagarre, pas de pistolet. Non, moi je fouette.